Coucou les amis. Alors, on est en salle où je fais mes soirées câlins. Et comme j'ai encore un peu de temps, j'ai décidé de vous faire ce petit vidéo pour vous expliquer comment ça se passe, quelles sont les règles de la soirée et quoi attendre. Avant de venir, j'annonce les règles qui permettent de créer un espace de sécurité où tout le monde se sent bien. Donc, c'est un câlin affectif où il n'y a pas de nudité, pas de sexualité, on ne touche pas les parties intimes et on apprend à dire non, à mettre ses limites personnelles et à respecter les limites de l'autre. Alors, pour savoir où sont les limites d'autres personnes, il faut lui demander. Il faut demander de quoi tu as envie. Quels sont tes besoins et quelles sont tes limites? Donc, ici, on pose des questions et on répond. On écoute soi-même et on écoute l'autre. C'est un atelier non seulement pour expérimenter le toucher que vous pouvez expérimenter ailleurs, par exemple dans votre famille, dans votre couple, mais c'est aussi un espace où on peut apprendre à communiquer sainement, où on peut apprendre à exprimer ses besoins et aussi de ne pas faire des projections, de ne pas vivre dans une illusion, d'un non-dit, en espérant que l'autre personne va deviner qu'est-ce que vous avez besoin. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez apporter dans votre vie de tous les jours par la suite et pratiquer justement dans vos relations personnelles. Et vraiment, vous pouvez améliorer votre vie grâce à cet atelier. C'est un chemin. Ce n'est pas seulement quelque chose que vous faites et vous n'allez jamais revenir. Comme psychothérapie, comme le travail personnel avec le psychologue, ça c'est un travail corporel où vous allez comprendre mieux vous-même. Et c'est très bien de faire les deux choses à la fois. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment changer vos schémas, comprendre comment vous fonctionnez, vous pouvez suivre une démarche personnelle psychologique et en même temps le compléter avec la câlinothérapie. Et ces deux choses elles vont vous donner vraiment l'image complète de vous-même, où vous allez vivre dans votre corps, dans votre expérience de tous les jours. Alors, les participants disent, et moi je le confirme, que durant les ateliers câlins, on est en pleine conscience, on est vraiment ancré dans notre corps. Le temps s'arrête, donc ça nous permet aussi d'arrêter cette course éternelle où on n'a pas le temps vraiment de penser où on va et pourquoi et quels sont nos objectifs. Ici, on peut souffler, s'arrêter, connecter à notre corps, connecté à l'autre, connecté à son besoin. Voilà, donc on fait tous les mercredis, sauf les vacances. Et la prochaine séance aura lieu sans doute la semaine prochaine, le mercredi. Et par contre, il est nécessaire de s'inscrire. Contactez-moi si vous voulez participer. Je vous explique comment ça se passe si c'est la première fois. On aura un rendez-vous téléphonique pour que je puisse vous parler, vous connaître mieux et vous inscrire. Merci et je vous souhaite une très belle journée. Et nous, on va bientôt commencer notre atelier. Au revoir!